Comment oublier la fameuse Nathalie qui a réussi à voler le cœur de José et à briser celui de Bénédicte? Tous les fans de Hélène et les garçons se souviennent, et se souviennent surtout à quel point ils adoraient détester ce personnage haut en couleur, venu semer la zizanie dans l'équipe trop lisse formée par Hélène et ses amis. La méchante de la série jusqu'aux vacances de l'amour étudiante en sociologie quand elle est repérée par un agent de mannequin, Karine Lolichon va entrer par hasard dans le métier de comédienne. Car devenue mannequin à plein temps, elle passe les castings de la série sur conseil de son agent et décroche le fameux rôle de Nathalie, jeune femme lunatique prête à tout pour semer la zizanie dans un groupe trop bien rodé. Ce sera d'ailleurs le rôle de sa vie, puisque Karine Lolichon va poursuivre ses aventures dans le miracle de l'amour et les vacances de l'amour. Mais comme elle n'avait pas particulièrement songé à devenir actrice à ses débuts, le monde de l'audiovisuel a fait son effet. Non plus dans la comédie, puisqu'elle a quitté son personnage en 1998, mais plutôt dans les domaines de l'écriture. En effet, à son départ de la série DAB Productions, Karine Lolichon a suivi une formation de 2 ans au Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle pour devenir scénariste, ce qui lui a permis une véritable reconversion réussie. DAB Productions à demain nous appartient. L'ex-comédienne, qui a fêté ses 57 ans en juillet dernier, a donc prêté son talent de scénariste à de nombreuses séries à succès, comme Demain nous appartient, Plus belle la vie et même Code Lyoko et Yakari, côté dessin animé. Si est-il donc dans l'ombre que l'ancienne collègue d'Hélène Roll et Patrick Puydeba officie aujourd'hui, même si elle reste toujours dans les esprits des aficionados de la première heure.